matin du 16 avril, le docteur Bernard Rieux sortit de son cabinet et buta sur un rat mort au milieu du palier. Rieux n'eut pas de peine à constater ensuite que tout le quartier parlait des rats. À 17 heures, le docteur trouva le concierge devant la maison, adossé au mur près de l'entrée, une expression de lassitude sur son visage d'ordinaire congestionné. C'est par deux ou trois qu'on les trouve maintenant. Mais c'est la même chose dans les autres maisons. C'est à peu près à cette époque, en tout cas, que nos concitoyens commencèrent à s'inquiéter. Car à partir du 18, les usines et les entrepôts dégorgèrent en effet des centaines de cadavres de rats. C'est le moment que choisit Castel, un bon frère de Rieux, beaucoup plus âgé que lui, pour venir le voir. Naturellement, vous savez ce que c'est, Rieux. J'attends le résultat des analyses. Moi, je le sais. Mais j'ai pas besoin d'analyse. J'ai fait une partie de ma carrière en Chine et j'ai vu quelques cas à Paris il y a une vingtaine d'années. Seulement, on n'a pas osé leur donner un nom sur le moment. L'opinion publique, c'est sacré, pas d'affolement, surtout pas d'affolement. Et puis, comme disait un confrère, c'est impossible, tout le monde sait qu'elle a disparu de l'Occident. Ah oui, tout le monde le savait, sauf les morts. Alors, Rieux, vous savez bien aussi bien que moi ce que c'est. Ah oui, Castel, c'est à peine croyable, mais il semble bien que ce soit la peste. Le mot de peste venait d'être prononcé pour la première fois. Les fléaux sont une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu'ils vous tombent sur la tête. En regardant par la fenêtre sa vigne qui n'avait pas changé, c'est à peine si le docteur sentait naître en lui ce léger écœurement devant l'avenir qu'on appelle inquiétude. Il essayait de rassembler dans son esprit ce qu'il savait de cette maladie. Des chiffres flottaient dans sa mémoire, et il se disait que la trentaine de grandes pestes que l'histoire a connues avait fait près de 100 millions de morts. D'un côté de la vitre, le ciel frais du printemps, et de l'autre côté, le mot qui résonnait encore dans la pièce, la peste. Il est vrai que le mot avait été prononcé. Il est vrai qu'à la minute même, le fléau secouait et jetait à terre une ou deux victimes. Mais quoi? Cela pouvait s'arrêter. Ensuite, la peste s'arrêterait parce que la peste ne s'imaginait pas ou s'imaginait faussement. Si elle s'arrêtait, tout irait bien. Dans le cas contraire, on saurait ce qu'elle était et s'il n'y avait pas moyen de s'en arranger d'abord pour la vaincre ensuite. Le docteur ouvrit la fenêtre et le bruit de la ville s'enfla d'un coup. D'un atelier voisin montait le sifflement bref et répété d'une scie mécanique. Rieux se secoua. Là était la certitude, dans le travail de tous les jours. L'essentiel était de bien faire son métier. Les mesures prophylactiques indiquées en temps de peste devraient cependant être appliquées. S'il faut absolument que j'aie une pensée, oui, c'est en effet celle-ci. Les médecins se consultèrent et Richard finit par dire « Il faut donc que nous prenions la responsabilité d'agir comme si la maladie était la peste. » La formule fut chaleureusement approuvée. « C'est aussi votre avis, mon cher confrère ?» demanda Richard. « La formule m'est indifférente, » dit Rieux. Disons seulement que nous ne devons pas agir comme si la moitié de la ville ne risquait pas d'être tuée, car alors elle le serait. »